Chers amis, bonjour. Mois de février, pour le Rotary, est le mois de la paix, prévention et résolution des conflits. La paix, oh, quel chantier sur lequel le Rotary nous a lancé, nous les Rotariens. Bien sûr, nous avons de l'énergie, mais le chantier est immense. Un concept qui était intéressant est le concept de prévention. En effet, c'est un outil. Et cet outil de prévention, c'est bien ce que nous faisons tous les jours, nous les Rotariens, quand nous aidons dans le monde entier, grâce à notre fondation et grâce aussi à notre énergie, ne serait-ce que pour la santé de la mère et de l'enfant, la lutte contre l'illettrisme, la vaccination, et bien sûr l'aide à l'amélioration de l'économie locale. Et en particulier, amélioration grâce à notre intérêt pour tout ce qui est environnemental. Environnemental, je vous rappelle d'ailleurs, parenthèse, ce que nous a proposé notre président Yang, autant de nouveaux arbres qu'il y a de rotariens, c'est-à-dire de plus d'1 200 000 arbres avant la fin de cette année rotarienne. Et d'ailleurs, je vous invite à venir le 24 mars, vous pourrez rencontrer vous-même notre cher président Yang, qui vient présider une conférence à l'UNESCO qui sera liée à la paix et en particulier à tout ce qui est environnemental. Donc réservez votre date au 24 mars et passez un bon mois de février. Au revoir.